Waouh. Bonsoir madame. Comment vous appelez-vous? My name is Maroula. Maroula. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Why are you here ce soir? Tonight. Because I love France and thank you. And it's a big chance for me. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est ça qui nous... Bah écoute, alors au début, évidemment, comme toujours, j'ai voulu me marrer. Je me suis dit, je n'aurais pas au Mikado avec elle. Après, je me suis dit, on dirait une épreuve de Koh-Lanta. Et puis après, je me suis fait complètement avoir. Cette respiration qui est la vôtre, c'était comme un accouchement et une méditation à la fois. Et j'ai vu naître une espèce d'animal magique. Et vous étiez comme une sage-femme. Et en même temps, comme une déesse, c'était complètement mystique. Et puis, petit à petit, ma respiration s'est apaisée. Et j'avais plus du tout envie de rigoler, j'étais juste bien. Et j'étais heureux d'être avec vous tous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez venir tous les jours, s'il vous plaît, pour nous calmer? Merci, merci beaucoup. Moi, c'est ça, c'est le niveau de concentration que ça prend pour faire ce numéro. Malgré la vitesse du numéro, elle a su capter l'attention de tout le monde. Et les caméramans, où il y avait une lumière qui a clignoté, venaient nous embêter parce que le plus le numéro avançait, le plus on était investi avec vous dans le numéro. On faisait partie de ce numéro-là. Pour moi, tout le numéro ensemble était parfait. Moi, je trouve qu'on est dans un monde vraiment où on perd l'équilibre. Vous, vous nous apportez l'équilibre. On est dans un monde qui est tout le temps pressé. D'un seul coup, vous avez suspendu le temps et vous avez redonné vie aux éléments, littéralement. J'avais l'impression, effectivement, de voir quelque chose qui naissait sous nos yeux, comme le dit si bien Eric. Ça peut laisser personne indifférent. Vous avez suspendu ce moment à jamais. Ça m'a fait un truc terrible. J'avais l'impression que vous faisiez un enseignement initiatique pour nous tous, où on apprenait enfin à respirer et à prendre le temps. Merci beaucoup, c'était merveilleux. Bien sûr, on pense à équilibre comme premier mot. Moi, je dirais plutôt infini. Le temps, on ne l'a pas vu passer, alors je suis sûre qu'il était long. Votre présence sort d'une femme chamane depuis la nuit des temps. Donc, il y a l'histoire aussi de l'infini dans votre attitude. L'histoire que ça raconte, c'est un animal vivant, mais c'est surtout son ossature, on dirait un pyrodactyle. C'est-à-dire que le temps est totalement anéanti, il est suspendu. Je n'avais encore jamais vu ça ici. Ça va être facile. On vote ensemble? Oui. Oui. C'était super bon moment.